titre, on part donc à Chicony désormais, où le collège a mis en place une initiative inédite, donner une couverture médiatique à une rencontre de futsal féminin entre les établissements de Chicony et de Ouangani, grâce à des élèves en spécialité journalisme. De quoi faire flotter, vous allez le voir, une ambiance de Coupe du Monde. Ismaël Mohamed Ali. Il n'y a pas qu'au Qatar qu'on mobilise des moyens conséquents pour un tournoi prestigieux. Les élèves de 3e et 4e, spécialité journalisme du collège Ali Alidi de Chicony, sont concentrés à faire de leur tournoi UNSS de futsal féminin un succès. C'est important pour nous, pour montrer à tout le monde qu'il n'y a pas que les garçons qui jouent au foot, les filles aussi on sait jouer, c'est pour montrer aux gens. C'est important pour mon équipe parce que c'est le premier tournoi qu'on joue pour leur apporter le bonheur, leur montrer qu'on est capable de faire les choses. Sur le terrain, Florine est au sifflet. Elle arbitrera la rencontre des minimes Ouangani-Chicony, un derby sulfureux, où les deux équipes ont pour stratégie le tout-attaque. Objectif, prendre un avantage définitif et remporter cette opposition. En régie, Laurent, professeur d'éducation des médias, est ici réalisateur. Il s'adonne à un véritable ballet. Tel un chef d'orchestre, il dirige ses techniciens. La retransmission de la compétition doit être parfaite. On a deux classes médias et dans lesquelles on leur apprend donc les différents médias. Aujourd'hui, c'est journée sportive, donc on leur apprend comment fonctionne un média sportif et on en voit la réalisation. Ils sont formés sur 2 ans au collège, puis après ça continue au lycée. Et donc toutes les semaines, ils ont 2 heures de cours d'éducation média dans lesquelles on les forme justement à l'utilisation de ce matériel. Au commentaire, Lucas et Raina assurent. L'arbitre va relancer le jeu, elle place le ballon au milieu. Sur le bord du terrain, Lucas, le professeur d'éducation physique et sportive, assisté de Rukia, peine à rester en place et s'époumonne en délivrant ses consignes. Sur le rectangle en béton, les séquences de jeu sont belles et les buts parfois au bout. C'est des émotions qui sont exacerbées, qui sont rayonnantes, qui font du bruit. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu créer ici à Chicony en permettant aux sportifs, mais surtout tout ce qu'il y a autour, les reporters, les arbitres, les coachs, de se mettre en avant. Le sport, particulièrement le football, démontre qu'il n'y a de plus belle victoire que par le partage, l'échange, la collaboration, la fraternité. Et nous, on part pour le Qatar et sa Coupe du Monde. Retour sur les rencontres d'hier.